Au nom de Jésus, pendant la nuit, tu dois dormir en paix. C'est lui qui garde Israël vivant. C'est lui qui protège Israël vivant. Là où tu es, ma sœur, prie. La Bible nous dit cela si tu confesses de ta bouche. Romains chapitre 10. 10 dans son verset 10. Et si tu crois dans ton cœur, alléluia, il faut confesser dans ta bouche, il faut le croire. Dis que je ne suis pas esclave. Cet esprit de mort, cet esprit de femme et mari de nuit qui vient perturber ta nuit. Tu passes des nuits compliquées. Il y a des fois qui passent des nuits qui sont compliquées. Prions l'Éternel, ordonnons cette nuit que tu puisses passer des nuits en paix, que tes nuits soient en paix. Je le déclare, que tes nuits soient en paix. Celle qui vient te persécuter pendant la nuit, celle qui vient en groupe, la Bible nous dit ceci, ils viendront à une seule chemin, mais ils retourneront, ils fuiront plus dans cet chemin. Au nom de Jésus, je déclare cette nuit, toutes ces personnes qui viennent dans ce chemin, leur complot contre toi, que l'Éternel le mette en fuite, que l'Esprit de Dieu le mette en fuite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que tes nuits soient une nuit de paix, que tu passes une nuit de paix, que tu passes une nuit bénie, que tu passes une nuit soutenue par l'Éternel, que tu passes une nuit sous la grâce de Dieu, que tu passes une nuit sous la protection de Dieu. C'est lui qui garde Israël vivant. Il ne dort jamais, il ne sommeille jamais. Alléluia, il est notre Dieu. Alléluia, au nom puissant de Jésus, tout esprit qui vient pendant la nuit pour t'enlever la paix, pour te menacer, ordonne que ça quitte maintenant. Dis que cette nuit soit une nuit de grâce, soit une nuit protégée. Je déclare que celui qui confesse, comme dit la Bible, il sera sauvé. Tu dois parler de ta bouche, comme dit le livre de Romains 10. Tu dois déclarer de ta bouche. Tu dois croire à cela. Alléluia. Le pouvoir de la vie et de la mort est entre tes lames. Dis que je ne passerai une nuit de paix. Dis que je passerai une nuit en paix. Il n'y a rien de mal qui va arriver. Tous ceux qui viennent pendant la nuit n'auront aucun pouvoir sur moi, n'auront aucune force sur moi, n'auront aucune force sur moi. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, il est vivant, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a mis nos ennemis en fuite. Laisse que cette nuit que l'Éternel mette tes ennemis en fuite. Comme il a mis les Égyptiens en fuite devant les Israélites, il les a mis en fuite. Ils ont compris qu'il y a un Dieu vivant. Il a éclaté sa gloire. Alléluia. Que cette nuit, l'Éternel, éclate ta gloire sur ta vie. Toutes les personnes qui viennent travailler pendant la nuit, quand toi tu dors, et ils viennent pour travailler, et ils viennent pour envoûter, et ils viennent pour ensorceler, comme dit le livre de Psaume chapitre 91, la Bible nous dit ceci, et que si vous êtes sous l'abri du Très-Haut, vous êtes protégé sous la force du Tout-Puissant. Alléluia, que vous soyez protégé, que vous soyez protégé, que vous soyez protégé. Quand tu es sous l'abri de Dieu, ses ailes te protègent. Alléluia. Il n'y a aucune force qui peut venir comploter et réussir contre toi. Alléluia. Tout esprit qui vient pendant la nuit, toute force qui vient pendant la journée, ce qu'ils ont déjà fait pendant la journée ou le nuit précédent ou avant, nous déclarons cette nuit que leur plan soit nul et sans effet par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'ils ont fait avant ou après,
nous le neutralisons, nous le paralysons, nous le rendons inactif, nous le rendons inactif, nous le rendons inactif. Tous ceux qu'ils ont comploté, tous ceux qu'ils ont préparé, que ça soit inactif contre ta vie, et que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, contre ta maison, contre tes enfants, contre tes projets, que ça soit nul et sans effet. La Bible dit, celui qui garde Israël vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'il prenne soin de ta vie, qu'il prenne soin de cette nuit, qu'il prenne soin de toutes tes nuits, que tu puisses dormir comme un bébé, qui est protégé et gardé, qui a la confiance de son père et de sa mère. Au nom de Jésus, l'Éternel est ton Dieu, il est ton Père. Je dis comme David, si tu es pour moi, oh, je dis comme David, même si je marche dans l'ombre des vallées de la mort, je ne perds rien. Si cette nuit les gens vont tomber, toi tu ne tomberas pas. Si la nuit qui vient les gens vont tomber, toi tu ne tomberas pas. S'il y a des complots qui sont déjà complotés, mais ces complots, tout complot contre toi est nul et sans effet. Par le nom de Jésus de Nazareth, toutes flèches qui est lancée contre toi, oh, et mille sans effet au nom de Jésus. Oh, ça peut venir le flèche, mais que là, par la foi, j'utilise, comme la Bible dit, j'utilise à moi le barrière de la foi. Je crois cela, et que par la foi, il n'y a aucune flèche qui arrivera contre ta vie, contre ta maison, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Pendant la nuit, il est notre Dieu. Pendant la nuit, c'est lui qui est le feu, qui le feu, l'étoile brillante. Il est le feu qui brille dans le désert. Il a marché parmi le désert, il a marché avec les enfants d'Israël dans le désert. Pendant la nuit, comme le colonne de feu. Le matin, il est l'étoile qui brille le matin, l'étoile brillante du matin. Alléluia, pendant la journée, il y a le soleil levant. Alléluia, que l'Éternel soit là, que l'Éternel t'accompagne. La journée, le matin, comme pendant la nuit, qu'il soit tout près de toi. Alléluia, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Le plan de tous ceux qui sont contre toi est nul et sans effet, parce que l'Éternel est avec toi. La Bible dit, ils viendront à une seule chemin, mais ils fuiront dans plusieurs chemins, parce que l'Éternel est vers toi. Quand ils vont venir comme un vent, quand ils vont venir comme une onde, la Bible dit, ils viendront comme un grand tourbillon. Ils viendront avec une grande force contre toi. Mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il intercède pour nous. L'Esprit vivant. Nous croyons à son intercession. Nous croyons aux supplications qu'il supplie pour nous vers Dieu. Au nom de Jésus. Que cette nuit soit une nuit de grâce. Que cette nuit soit une nuit bénie. Que cette nuit soit une nuit protégée. Une nuit soutenue par le Dieu Tout-Puissant. Ce que lui tient à ses mains, personne ne peut ravir. Ce que lui a dit oui, qui peut dire non? Quand lui dit non, qui peut dire oui? Je déclare cette nuit, comme celui qui a reçu de Dieu l'huile, pour être envoyé, qui est envoyé pour exercer l'œuvre du Seigneur sur cette terre. Laisse que le oui de l'Éternel soit ta paix, soit ta joie, soit ta bénédiction, soit ta prospérité, soit ta joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne change cela. Aucune force de l'Égypte pendant la journée comme pendant la nuit vienne changer cela. Que la grâce, que la paix, que la bonté de Dieu soit avec vous. Et maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Par à Dieu. Alléluia. Nous voulons que ce soit un moment où tu affectes nos âmes. Nous voulons que ce soit un moment où tu affectes nos esprits, afin que nous soyons transformés.
Repends sur nous ta gloire. Déverse sur nous cette énergie créatrice, ton onction. Voulant te vivre, Seigneur. Règne, ô Dieu. Règne, ô Seigneur. Alléluia.